God, ceci est un test, mais finalement, je suis tellement belle, tellement ready pour la vidéo avec mon amie, Emile! Hi! 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 Aujourd'hui, c'est vraiment excitant parce que là, là c'est la vidéo de l'année qu'on attend, moi et Emile, parce qu'on est comme... Wow! Oui! On adore les Rotterdam! Oui! Alors, c'est le moment où est-ce qu'on est allé magasiner comme des grosses chiennes dans les friperies pour vous montrer que c'est possible d'acheter une robe de bal en friperie. Exactement. Et de ne pas se ruiner. Cette année, je sais pas si vous savez, mais je suis enceinte. Regardez, je porte... Ah! Je porte un enfant! Tu es enceinte? Je suis enceinte! Ah, j'en rêve! Ah, j'ai tellement hâte de la rencontrer! Ça va m'en oui. Faire! Mais tout ça pour dire que oui, je suis enceinte et ça m'a compliqué la vie, ça m'a compliqué la tâche, car je n'ai malheureusement pas été capable de trouver des robes qui me font. Donc, plus de robes pour Amy. Mais c'est parce que quand t'es enceinte, t'as une shape quand même spéciale. Puis les robes de bal, habituellement, c'est quand même des tissus qui sont vraiment raides. Fait que ça a été impossible, j'ai tout donné. Je dois avoir fait... Ben, honnêtement, ça fait au moins 2 mois que je magasine mes hosties de robes de bal. Et je dois avoir fait au moins 42 villages des valeurs. 40! Non, mais au moins 10. Par contre, pour finir mon intervention sur une note positive, oui. Je pense que je me suis démarquée de l'année passée. Ah ouais? Ouais, genre j'ai magasiné comme une grosse chienne, mais ça a valu la peine. Moi, je sais pas. Ah ouais? Ben, à certains niveaux, pour quelques robes, je trouve que mes robes sont plus nice cette année. Ok. En même temps, c'est qu'ils suivent aussi la mode, là. C'est vraiment la mode de l'année dernière, c'est peut-être pas nécessairement la mode de cette année. C'est vrai. Mais j'ai vraiment hâte de voir tes robes. Tu me dis que upgrade, parce que l'année dernière, c'était quand même assez fou. Si vous avez pas vu la vidéo de l'année dernière, allez la voir après. Quand t'étais pas. Je regrette un peu d'avoir dit ça parce que là j'ai comme mis la barre haute puis tes attentes hautes direct en partant. Mais je pense que je vais répondre à tes attentes. Je sais pas là, je sais pas là. Ben écoute, est-ce que j'ai dit une connerie? Je sais pas. Faut dire nos critères. Ah oui, c'est vrai, il y a des critères. Ben, premier critère, c'est clairement qualité-prix. Qualité-prix. Parce que le but de la vidéo, c'est d'économiser de l'argent. Exactement. Pour vous éviter de dépenser 400 à 1000$ pour une robe de bal, une seule soirée. Tu vas une fois. Ah oui, deuxième critère, l'originalité. Oui, il faut qu'elle stand out. Il faut un effet wow. Oui, oui, est-ce que les ovaires ont crié? C'est ça. Est-ce que mon enfant a crié de bon dedans? Et troisième critère, c'était... C'est ça, au goût du jour. Oui, à la mode d'aujourd'hui. T'sais, est-ce que les jeunes vraiment porteraient ça ou si c'est juste Cassandra et Amy qui Il faut pas juste se baser sur nos goûts à nous, mais aussi sur les goûts de la jeunesse. Exact. Et voilà! Est-ce que t'es prête pour la première fois? Je suis vraiment prête pour la première fois. Je vais commencer par te montrer celle-là juste parce que je pense que c'est elle qui est le moins de ton goût. Je pense que c'est elle que je verrais le moins porter. Mais moi, je la trouve vraiment belle. Mais au goût de Amy, je ne suis pas sûre. Ok, peux-tu ouvrir les yeux? Oui, vas-y! C'est vraiment un long silence. Attends, non, mais il y a du potentiel. Clairement, j'aurais jamais choisi ça pour un gala ou pour un bal. Oui. Par contre, je sais qu'il y a du monde là-dedans qui vont capoter sur cette robe. Ouais. Tu sais, non seulement il y a de la dentelle, un peu effet peau. Mm-hmm. En fait, je suis sûre que quand elle va être sur moi, je vais être genre, oh my god, Oh, belle! Peut-être. C'est le genre de robe que tu vois sur le rack, t'es comme, ah! Puis là, tu la mets sur toi, puis t'es comme, ah, oh, c'est ma préférée. Ouais. Ça serait son genre de faire cet effet. Puis en plus, une BCBG. Oui! Tu l'as payé combien? Ok, je l'ai payé 21,99. C'est vrai. 21,99, c'est rien! C'est rien. Ouvre les yeux! Ah! Ah, je suis comme méga déçue. Oui. Dans le sens où. C'est pas nécessairement la robe qui met en valeur. Non, c'est vrai. Mais donc, je pense que toi, ça aurait été beau. Tu m'as touché direct la pile, ça m'a fait une sensation. Est-ce que t'as mal? Que j'ai tellement été une sensation. Je suis comme, tu as pris ça, je veux m'enlouer. Ok, ben tu vois, côté qualité-prix, ouais. 21,99 pour une BCBG. Dans le sens où, vu que c'est pas notre préféré, clairement, on va pas donner un 10. Non, c'est ça. On va peut-être donner un 8,5. Ok, parfait, on le prend. L'effet wow. C'est pas 4. Ça, j'ai 4 Chris. 5. Ok, 5. La couleur est vraiment cute. Ouais. 5. Puis l'effet goût du jour, moins 50. Moins 50? Mais je pense pas que les jeunes vont s'en sortir. Fait que une note de moins. Non. On va lui donner un 2. Parce qu'il y a des. 2 sur 10. Ouais. 2 sur 10, ça sera ça. Non, mais ça sera ça. Pour parce que les gens qui aiment le vintage vont peut-être l'aimer, tu sais. Ouais, écrivez dans les commentaires si vous l'aimez, mais c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres! Ok, deuxième robe, je pense que tu vas l'aimer. Ok. Je pense que je l'aime aussi. Ok. Puis j'ai quand même rien à dire, juste que tu le regardes et que tu l'aimes. Ok, je peux voir? Oui! Ouh, mais regarde, elle est comme ça dans le dos, genre. Tu sais, comme ça qui pend dans le dos, genre.
Yo, ça c'est fucking beau. Oui! Ah! Yes! Ça c'est beau! Oui! Ah, t'as-tu trouvé ça à Québec? Oui! Ça, ça fait très Athéna, genre. Oui! Tu sais, le monde qui veut de quoi de bois. Ah ouais, ça fait vraiment beau. Ça me rappelle un petit peu la robe rideau que Selena Gomez elle a portée dans un... C'était-tu aux Oscars? Je vais t'envoyer la photo, t'en mettras dans la vidéo. Ouais. Mais ça fait vraiment penser à la robe de Selena Gomez. Mais je trouve ça full beau, tu sais, comme tout habillé ici. Puis genre, le dos tout ouvert, puis ça qui part dans le dos, genre, je trouve ça vraiment beau. Ouais, ça fait très chic. Puis je l'ai payé 17,99$. On dirait que tu niaises! Ben c'est oui, impossible! Oui, mais c'est la réalité! Yo, elle est tellement magnifique! Elle est belle, hein? Ouais, elle est vraiment belle. C'est sûr qu'elle va bien aller. Si elle va pas bien, j'en comprends pas. 1, 2, 3! Ouh! Ok. Ça, elle fit parfaitement! Ah, j'aime full ça! Puis, elle va full ouais. bien! Emmy, elle va tellement bien! Je sais, elle est vraiment belle. Ça, c'était un bon... Une belle oh my god, elle va tellement bien! T'es tellement belle! Merci, merci! Ah, ben oui, merci! C'est quoi de faire ça? C'est sûr qu'il va falloir que je t'en passe. C'est sûr, faut que tu portes ça à manger. Ben là, crème! On dirait qu'elle est faite pour toi, Jean. Yo, elle est vraiment chaude! T'es trop belle! Ok, mais côté qualité-prix, 10. Oh! Genre, 17 piastres. Ça, c'est nice. 99. Ouais, c'est vraiment pas cher. 17 piastres, 10 sur 10. Côté originalité, je donnerais un 10 aussi. Juste arrête! Juste à cause du bac. Mais l'effet rideau, là, il plaît. Au goût du jour. Ça fait peut-être un peu plus classique, par contre. Mm-hmm. En mode, genre, tu sais, on est fin vingtaine. Tandis que les jeunes ont 17 ans, je sais pas. Quoi, admettons? Je sais pas. Honnêtement, je donnerais un 7,5. Parce que je suis sûre que j'ai plusieurs jeunes qui seraient genre, waouh, c'est beau. Ouais. Fait que pour une note finale, comme 9 sur 10, genre? Ouais. Genre, un gros 9 sur 10, là. Genre, yeah! La foule est belle! Ça va tellement bien, pour vrai. On a la première réussite de la vidéo! I'm so excited! On peut croire que c'est en friperie, hein, les magasins? Oui! Oh my god, j'en reviens pas comment t'es belle. Ouais. Fait que, à chaque année, ça m'en prend une classique noire. Et cette année, je suis pas peu fière de ma trouvaille. Je la trouve encore plus belle que l'année passée. Ouh, j'aimais le petit dessus. Ok, j'ouvre. Ok. Oh, damn. Ça, tu vois? Quelqu'un aurait pu le porter au Met Gala. Ah ouais, tu trouves? Ben oui, avec genre, mettons, s'il aurait mis des perles avec des fleurs blanches, ça aurait fou le fait de... Je la trouve tellement belle. Ah, mais ça, c'est le genre de robe qui va tellement bien t'aller, par contre. Ouais. Oui. Oui, c'est beau. Mais t'as ton petit belle? Oui, clairement, j'aurais pas assez de boules. C'est ma plus chère. C'est ma plus chère de la vidéo. Ah, t'as fini par la plus chère? Non, parce que c'est pas mal. Mes coups de cœur, c'est pas la plus chère. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est magnifique. T'sais, y a aucun fil qui sort. T'sais, elle est parfaite, en vrai, neuve. Ouais. Ouais, elle est vraiment belle. Ok, j'ai hâte de voir. Je peux regarder? T'es-tu proche de moi? Pourquoi je te sens proche de moi? Ok, mais non, mais elle va vraiment bien pour vrai. Ben oui, c'est ma taille. Parfait. Mais tu vois, moi, où tu gagnes des points, là, c'est les robes où on voit le dos au complet. C'est full beau, c'est full populaire, c'est indémodable. Ah, ben je trouve vraiment qu'elle va bien cette robe-là aussi, Amy. Oui, mais admettons que t'aurais pu la porter, je sens que ça aurait été très très beau sur toi aussi. Mais ça serait quoi la note de la robe? Mais là, tu vois, ça, qualité-prix, vu qu'elle est un petit peu plus chère, on va donner un 8. C'était ma plus chère. Mais 50$ quand même. 50$ pour une BCBG en hyper bonne qualité, c'est pour ça que je donne un 8. Puis attends, un petit point que j'aimerais rajouter, c'est que ce que je trouve cool, c'est que justement, les robes de bal, des fois, tu mets une fois que tu peux pas les remettre, mais celle-là, tu pourrais clairement la remettre. Ouais, tu pourrais clairement la remettre, c'est un classique indémodable. Ouais. L'originalité, j'en donnerais un 8. Ouais. En mode, c'est pas ta plus originale, mais tellement belle. Mais pour une basic robe noire, je la trouve originale. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas la robe la plus originale. Tu sais, il y a des petits layers ici. Ouais. J'aime beaucoup la superposition des tissus, vraiment. Puis l'effet wow. Comme moi, j'ai eu l'effet. Moi, quand je l'ai vu, j'étais genre. Non, c'était au goût du jour. Ah oui, au goût du jour. L'effet wow. Non, au goût du jour, viens de dire. Ah! Je pense que ça c'est un 9. Ouh! Un 9. Je pense qu'il y a plus de jeunes qui porteraient ça, mettons. Une note globale de 8,5. Ok, ok. Un 8,5. Tu l'aimes un peu moins que la blanche. Mais la blanche, je l'aimais vraiment. Ouais.
Mais les deux, ils vont comme un gars. Mais l'effet rideau était fucking nice. Oui, l'effet rideau! L'effet rideau! Mais elle est vraiment belle, celle-là. Elle était trop belle. Sérieux, je vais jamais m'en remettre. Next! OK, les deux dernières, c'est mes deux préférées. And I'm so excited! Je peux pas comprendre que c'était pas ceux-là tes préférés. Genre, sont non, mais tellement je les aime trop. Mais ils sont pas flyés. Les deux dernières, sont flyés! Sont... Je suis tellement une glue. Celle-là, c'est ma préf à moi. Mais je pense que l'autre, c'est ma préf à moi. L'autre, depuis que je l'ai acheté, j'ai vraiment le feeling que tu vas vraiment triper dessus. Fait que je l'ai gardé pour la fin. Yo, j'ai tellement de voir. Excitant. Oui. OK, est-ce que t'es prête? Oui. OK, tu peux ouvrir tes yeux. Funky. Elle est trop nice! OK, mais le bas... Je l'aime tellement, là. Ouais, vraiment belle, celle-là. Elle a encore l'étiquette. Elle a encore l'étiquette. Elle vaut 200$. 35. J'ai payé 35$. Et j'ai... On s'entend que c'est pas cher. J'ai trouvé au village des valeurs à Québec. Je trouve que ça fait très années 90. Ouais, je comprends. Vibe. Tu sais qui portait ça dans les années 90. Est-ce que c'est au goût du jour? Je doute un peu plus. Ah oui? Oui. Ah, je la trouvais folle au goût du jour. Ben dans le fond, on c'est peut-être que je m'y connais plus pas en tout dans le goût du jour. Moi, je suis rendue... Mais peut-être. Moi, je suis rendue une maintenant que t'habites à Repentigny. Je suis rendue, j'arrive à Repentigny, mais je suis morte. Moi, je connais plus rien de rien, là. Oui, tu sens bon. Ah oui, au moins, je sens bon. Oh my god, tu sens bon, mais bon, ma chum. Mais honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui porteraient ça. Ouais, moi, je la trouve vraiment belle. Je comprends pourquoi c'était après. Mais je l'aime vraiment, je vais l'essayer, okay. Puis après, on verra. Parfait. Comment ça tombe. Ouais. Des fois, c'est tout le beau sur elle, mais c'est fou. Ouais, de... c'est sur vrai. Toi. Non, mais sur toi, tout est tout le temps beau. C'est arrête. Vrai. C'est vrai que c'est beau sur moi. Beaucoup trop de hopes pour celle-ci. Ah, la roulette! Non, mais l'affaire, c'est que... Oh, je suis contente de ne pas avoir fini avec elle, finalement. C'est une bonne chose. C'est parce que la robe touche pas à terre. Tu sais, la robe touche pas à terre, donc je trouve que ça fait moins... De base, ça fait plus genre... Tea time. Tea time! Ah non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça fait genre les femmes dans... Puis pourquoi ça, ça vole? Mais il me semble quand je t'allais montrer, ça volait pas. J'étais pas déçue parce que. Non, mais imagine, ça aurait été long. C'est fou comment que quand tu vois une robe sur un cintre, un support, ça a peut avoir l'air de quelque chose, mais comme quand t'as mis, des fois, c'est comme ah! What the fuck? Mais c'est ça, ben c'est l'effet qu'on a en ce moment. On le vit en live. On vit cet effet avec vous. Quel merveilleux moment. Mais côté qualité-prix, un solide 8. Okay. Dans le sens où elle valait 200, là elle est 35. C'est un gros rabais. C'est une économie. Et c'est genre 80% de rabais quasiment. Ben oui, ben oui. Côté effet wow, ce support. C'est un support. Un support 8. C'est pas la même chose. Quand sur Rémi, 5. Ah, t'es généreuse. Hein? Côté goût du jour, 2. Ouais, je... Non, ça fait non. Mais il me reste un essai! Ouais. Hey, sérieux, c'était pas la dernière, là, justement. Quatre! Je suis tellement désolée! Arrête, ben, tu dis que moi, je vais l'aimer. Mais c'est sûr tu vas l'aimer, t'as pas le choix. Faut que tu fakes, sinon. Si tu l'aimes pas, Chris, on va devoir rompre une traite. Mais là! Hey, regarde! C'est pas stressant! Ben! Un clip d'or! Oh ouais, j'aime ça. Attends, c'est-tu pour notre amitié ou c'est parce que t'es malade? You'll never know. Non, 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 elle est vraiment belle. C'est juste que dans la vie, je suis pas fan de jaune. Eh non, c'est vert. Par contre, le jaune me va pas bien. Par contre, la chaîne de la robe, oui! J'adore tellement qu'elle fait toi! Ah oh ouais, j'adore ça. Mettons, tu sais, t'as comme un tissu là, t'as des tissus ici, oui. T'as de la dentelle, le mix de textures. Love it! Yo, oh my god, fait que t'as gardé la courte pour la fin! Oui! J'ai gardé la courte! Ça, la seule courte! C'est un très gros bold move. Je sais! Ok, mais je la trouve très jolie. Ouais, je l'aime vraiment. J'aime ça. Yeah! Tu vois, je me suis juste arrêtée au jaune parce que dans moi, j'avais peur que ça me passe pas bien. Ouvrir! Ouh! Ben, elle va bien! Oui, elle va bien. La seule règle, gars, c'est ça qui twist! Ouais! Elle était combien ça là? C'est même pas le prix, je pense. Non, 24! 24! Ouh! Tel tes prix, je donnerai un 9. Ok. Tu dans le sens où 24, je veux dire. Ben oui, ça fait full la une vraie joke, là. Oui, oui. Et elle est vraiment nice. Côté, elle fait wow! Nanana. Ma préférée, c'est la blanche. Ok. Déjà, en train de me dire tes coups de cœur, là. Oui, mais ça, c'est à suivi de proche. Ok. Fait qu'un 9. Puis, goût du jour. Pour les gens funky, je pense que c'est quand même assez à jour. C'est dans le sens où je mettrais ça pour aller dans un resto avec mes naked wolf, un peu genre brunch. Oui. Ou genre, je rajouterais une ceinture. Ouais, j'avoue. Ça serait vraiment beau. Fait que ça,
un 9 aussi. Ouh, that's exciting! Ouais, je donnerais un 9 aussi, elle est très jolie. J'ai hâte qu'on fasse un peu de choses avec. Oui, mais je la trouve vraiment belle, pour vrai, je trouve vraiment qu'elle va bien. Mais c'est vraiment, je trouve que tout ce qui est cool de la robe, c'est vraiment ça, la symétrie de ça. Mais là, là, Amy, oui. Avec tout cela, là, ouais. Tu dirais que ta préférée de la vidéo, c'est laquelle? La blanche. Et ta deuxième préférée? Celle-ci. Et ta troisième? La noire. Et ta quatrième? La rouge. Et ta pas préférée par toi du tout? La petite rigueuse. Ok! Mais je pense que c'est ma préférée! Je suis Mais je pense qu'en ce moment, mes goûts, ils rushent, ok? Parce que c'est tough pour vrai de m'habiller enceinte. Puis là, je suis tout perdue. Je suis perdue dans mon identité. Mais c'est pas ta faute! C'est pas ta faute, ok? Non, ok. Je suis perdue dans mon identité. Tu fais avec ce que t'as, ok? Je suis deux personnes en ce moment. C'est mes goûts de elle, hein? Oh my god! Ah, ça veut dire que t'es une T-girl? Au moins, ça me doute qu'il y a quand même des robes que t'as aimées dans la vidéo. Mais vraiment! Parfait! Je suis ravie! J'ai été vraiment, vraiment contente. Très impressionnée des choix. J'ai hâte de te montrer les miennes! Oui! Fait que écrivez dans les commentaires c'est laquelle votre robe. Ben, en fait, peut-être que vous n'avez pas à bien nous réfléchir. Ben là, ce serait... Non, non, non! Tu vas prendre le temps d'écrire dans les commentaires. Chance 5! Écrivez! J'ai pris le temps d'aller magasiner dans 42 villages et valeurs. Écris dans les commentaires c'est laquelle ta robe préférée. Tu vas voir la vidéo à Émile Lalune. Ouais, tu vas voir ma vidéo pour voir les robes que moi j'ai trouvées et les notes que Cass va me donner. Exact! Bref, bye la gang! On se voit dans 2 secondes! Oui, parce que vous allez voir la vidéo à Émile. On vous aime! Bye!